Previously in Spider-Man PS5. Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche un lien. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. Je vais continuer. Éliminez les bugs. Allez. Pars. Vous êtes sûr que ça va? Oui. De Grande Centrale, où le maire Osborn s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. D'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention ! Comment tu trouves mon nouveau costume ? Très classe. Où tu l'as eu ? Je suis membre d'un club. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Toutes ces années, tous ces mensonges, ils vont savoir la vérité. Pourriez-vous distribuer ça à ma place ? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. Reno est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West. Electro, celui d'Upper East. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Qu'est-ce qui se passe ? Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Salut, tu espères que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin, donc le dernier épisode de Spider-Man. Ok les gars, je pense qu'aujourd'hui, il y aura énormément d'action. La dernière fois, c'était très agité aussi, il faut dire ce qui est. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Hey Pete, ça va? C'est ce que j'allais te demander. Moi, ça va, mais toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. On est débordés, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc? Ouais, je comprends. Ouais. Pense bien à te protéger, gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. Et c'est encore plus vrai pour Tante May. Tu la connais, personne pourra lui faire une pause contre son gré. Mais je ferai de mon mieux. Merci, Miles. Embrasse Tante May pour moi. Et sois prudent. Ouais, on vient d'éviter un Rocket les Rays, c'est pas possible. Ils sont encore là, les fous! Voilà le réservoir. Mais aucune trace de scorpion. Oh, on va je aller voir ça de plus près. Là, c'est très intéressant. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Derrière toi! Raté! Là, il nous a eu. Je t'achèverai bien, mais c'est Octavius qui paye. Et il veut te voir souffrir. Ce que je respecte. Bon sang! Qu'est-ce qu'il vient de m'injecter? Des jambignons, croyez. C'est des jambignons aphrodisiaques. Des jambignons. On est très excités, les gars, ouais. Oh, c'est aphrodisiaques. Qu'est-ce que... Ça fait cet effet. Une mer de poison? Impossible! C'est pas réel. Waouh! Ça doit être le poison. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie. Il faut que je prenne de la hauteur. J'analyse le produit qu'il m'a injecté. Ouais. Non, j'apprécie parce qu'il y a des visions très stylées. Il me semblait, hein. Il me semblait qu'après, c'est vraiment très très sympathique, ouais. J'adore ça. C'est vrai que c'est très très beau comme paysage. On dirait effectivement quand je mets les mods sur GTA, je fais monter le niveau de l'eau dans la ville. Je devrais être tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Ah, donc t'as le temps d'analyser comme ça, les Rey? Il a un laboratoire sur lui. Scorpion s'est amélioré. Ok, la touche R1 toujours là pour nous. Quelle est la substance, frère? Une neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. C'est bien ce que je disais, c'est les aphrodisiaques. Je dois synthétiser l'antidote et vite. Faut d'abord un stéroïde naturel.
Un extrait des clips d'Alba devrait faire l'affaire. Des stéroïdes. L'université est pas loin. J'espère que c'est la saison. Je me disais bien, je croyais que t'avais pas fait tous ces muscles comme ça. C'est les stéroïdes. Ok, tout s'explique. J'arrive à la serre. Il devrait y avoir. Pourquoi il est vénère comme ça? D'Alba. J'arrive à la serre. Ah. Doc. Alors, tu m'emmènes dans ton jardin secret? Magnifique. On sent les battements, Roya. Il fait une légère arythmie. Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Waouh. Vous avez l'air... bizarre. Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Ça me rappelle sur Mais Far Cry 5. L'interface m'a permis de les accepter pleinement. Il y a une drogue comme ça qui te donne des hallucinations. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ouais. Peter. Toujours à vouloir prendre les choses en main, même quand il n'y a plus d'espoir. Oh, c'est bon. L'indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais plus. Ça peut manquer de Sincèrement. Tu joues avec nous, Froya, c'est pas gentil. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as... C'est ouf, quand même. Des mots sont des mains. Je veux dire... Oh, c'est des mains. Si c'était vraiment important à tes yeux, pourquoi tu m'aurais laissé m'auto-détruire? Voilà l'équipe d'Alba. C'est toi, Froya, tu t'es détruit toi-même. Arrête de culpabiliser, Peter, c'est pas ta faute. Magnifique. Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Je pense les Hei. Je dois y développer une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. Je vous ai beaucoup saoulé avec ça, avec Donald Renew, vous dire que franchement, son interprétation est magnifique. Mais c'est vrai, même dans les cris, on sent un désespoir, c'est... Ça peut être que le talent... Oh ! Le talent d'un acteur de fou qui peut faire ça. Ah ! Quand il fait ça, ça rend bien. Comment tu te sens, Spider ? Ah, Scorpion, t'es dans ma tête ? Tu m'excites. Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je vais mieux, je m'occupe de toi, Mac. C'est bonne chasse aux éléphants roses. Voilà le poste de recherche. Il a dit les éléphants roses. Attends. J'accède à ce poste. Viens rêve. Mais arrête avec ton truc, toi, ta queue. Ça m'excite. La combine a disparu. Marde. Je crois qu'on devient faux. Pas encore. Il m'a rendu faux, Scorpion, il m'a retourné la tête. On parlait avec sa voix comme ça, là, ouf. Quand même. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc. C'est mon imagination. C'est moi. Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. Ouais. Partie de moi. Mais tu m'as aidé à briser. Je t'ai aidé avec ta confiance. C'est bien. Je regrette. Je trouverai un moyen de vous aider. Je vous le promets. Et moi, tu m'as saboté un peu, Roya. Faut dire ce qui est. Arrête de te voiler la face. Tu n'aides jamais personne. Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison. Tous ceux que tu touches souffrent. Quand même, un peu trop culpabilisant ce doc. Hein. J'aime pas beaucoup quand même. Arrêtez de fuir! Laissez-moi essayer! Je ne veux pas de ton aide! Giga tentacule quand même. J'adore. Tu es nul. Ah. La vie, au travail, tu n'apportes rien de bon! Je t'ai vu, Peter, prendre des notes, voler mes idées, une taupe dans mon laboratoire, et moi qui te prenais pour un ami. Mais c'est limite toi, tu t'inspires de nous, je te raconte. Je suis votre ami, Otto. S'il vous plaît, je vous ai toujours soutenu et je vous soutiendrai toujours. Non mais t'es trop bon, Roya, trop bon, trop con. Tu m'as soutenu en livrant mes idées à Norman, en sabotant mes plus grandes œuvres. Oh, pas la peine de faire l'innocent.
Je vois clair dans ton jeu. Moi aussi, je vois clair dans ta calvitie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Lève-toi-là. La troupine. Oh, la troupine. Regarde, écoute ses cris. C'est l'interprétation de fou. Il faut que je retourne au labo. C'est Donald Effray. Il est magnifique. Toujours avec nous. Presque guéri. Vous allez de ruiner tes plans. Mais pique-moi avec ta queue, j'en ai marre, regarde. T'es là, tu me dis des trucs. Fais des trucs. Allez. Assume ce que tu me dis au téléphone. C'est les aphrodisiaques, les chais, désolé. C'est bon. Moi aussi, je sais pas comment on a fait. Il faut que je crée l'antidote. Là, on est dans le vrai laboratoire. Là, c'est bon. Enfin le... Oh. Marde. Il n'en est pas question. Tu es sur mon territoire. Magnifique. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu riais de moi. Comme les autres. Tu croyais être débarrassé de moi. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es réel? Bouge pas. Je vais te montrer. Ok. Allez, assume, Roya. Comme je t'ai dit, montre-moi tout ce que tu me disais dans le téléphone avec ta voix. Oulala. On doit lui balancer l'étoile? Ah ouais, c'est ça. C'est l'étoile, Roya, je te balance mes toiles. Alors? Je dois essayer de la voir. Encore une hallucination. Au moins, je l'ai pas imaginé trop fort. C'était pas réel, Roya. Encore une fois, je me suis laissé berner les reilles. Oh, trop cool ça par contre. Au niveau des casiers et tout ça. Utiliser ça comme un vrai bail. Attends, il y aura plein de scorpions. Oh non. Là, c'est un peu un problème. Attends, Roya. Attends. Faut que je trouve le vrai. Where's the real one? Bouge. Ok, un de moins. Il en reste 10 autres, les Rey. Quand même. À la place de ton oncle, moi aussi, je me serais jeté sur cette balle. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. La centrifugeuse. Ça va se recomposer. J'adore ces effets-là. Enfin, j'ai presque... Je crois que je le sens. Où est passé ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Spider caleçon. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. Là, je suis moi-même, ça fait plaisir. Oh non. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé. J'avais plein de bons souvenirs dans ce labo. Ah ouais. Beaucoup moins maintenant. Le Doc est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Et peut-être aussi le plus dangereux maintenant. C'est vrai, quand l'intelligence devient l'intelligence du mal, méfiez-vous. C'est bon? Bon, bah voilà. J'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse d'évacuer le poisson dans l'organisme avant de m'attaquer aux autres villas. Faut que j'aille pisser. C'est le moment idéal pour une petite patrouille. Donc toi, Roya, quand t'es bourré, tu te dis c'est le moment de patrouiller. Let's go. Désolé, Doc. Salut, MJ. Est-ce que je peux te poser une question épineuse? Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le dos à un de ces amis? Oh, waouh, Pete. Tu penses à Otto? C'est évident que ça. Ouais, je te crois. Mon côté noble et généreux ne souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Ouais. Mais après ce que toi as fait, je sais pas, Pete. Je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ouais. Ouais. Merci, MJ. Je crois que... Faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux. Je suis là pour toi. C'est vrai qu'on en vient à se poser la question. Est-ce qu'on l'aide? Est-ce que voilà, est-ce qu'il reste un peu... Ne serait-ce qu'une once de bonté, de bonne... de bienveillance dans cette personne. Quand tu vois qu'il était... C'était un bon gars. Il a été corrompu. Sa gentillesse a été corrompue. Je pense qu'il s'est rendu compte du trop bon faucon. Faut vraiment que je m'occupe des scorpions. J'ai pas revu Tante May depuis l'incendie. Je pense que je peux me permettre une petite halte au fist. Pendant que la ville est en train de brûler? C'est pas raisonnable. Rangez ça là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter. Je suis si contente de te voir. Moi aussi, ça fait plaisir. Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Non! Oh, doucement. Mais!
Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Arrête de mentir. Il est où, Miles? Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour-propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Alors, la cargaison, ouais. J'ai déjà assez de soucis pour Tante May. Ah, je me rappelle ce fou ce qu'il faisait. Chut, tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça? On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. Le fils t'a besoin de ses antibiotiques. T'as entendu le bruit qu'a fait sa tête quand le gros l'a frappé? Comme un moustique sur un pare-brise. Vite, dégueulasse. Une diversion. Mon app de piratage. Tout ça parce qu'il a fait une blague sur sa tenue. Ok, ça a marché. Mais on dirait un bruit dans FNAF. Ce bruit-là qu'on vient de faire avec l'appli. Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. Oh merde. Oh non. Retourne-toi, on va voir là-bas. Putain, il va me voir lui. Théma, c'est les agents de sable qui sont pris en otage. Chut. Ils sont grave méchants. Gaz, désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. Il faut que je retrouve ces types. Chut. Écoute. Faut que j'évite ce sniper. Ah, il y a un mec juste là. Oh là. Oh là. D'autres réserves. Allez, faites que ce soit la bonne. Des multivitamines. Amoxicilline. Parfait. Ah, voilà. Ce mec est vraiment très grand. Voilà le bulldozer atomique. Exactement. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite! Y'a un scandale! Mais il est géant. Excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Un peu énervé. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Ah! Oh! J'avais pas besoin de voir ça. Ah bah ouais. C'est horrible. Il les a piqués avec sa queue là. En plus, il a une voix très sensuelle. C'était quoi? Va voir. Vite. Il y a une boîte à outils qui tombe. Il y a un truc là-bas. On va voir. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fou. C'est vraiment le gros méchant con, hein, Rhino. Grand méchant con. Non, je suis pas content. J'ai pas de temps à perdre. Ouais. Le tunnel. Y'a un truc là-bas. Avec lumière maintenant. Ouais. Je m'amuserai avec la tête. Oh lourd, l'offre, ouais, c'est d'une violence. Et je te promets de pas... Pitié, faites qu'il me voit pas. Faites qu'il me voit pas. Bah, j'espère aussi qu'il te verra pas. Hein. Salut. Ça va? Il me voit pas. C'est le grand méchant con. C'est pas le grand méchant loup. Oui, aïe, 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 aïe. Il fait vraiment trop flipper ce fou là. Ouh là là. Il a balancé un mec. Oh. J'ai pas le choix, je dois lui passer sous le nez. Ma patience a des limites. Sors de ton trou. Dès qu'il regarde à droite là, c'est bon. S'il tabasse ici. Encore un peu. Ouais, là, c'est bon. J'ai pas besoin de ça. Vas-y, dégage. Bisous, grand con. Chaque fois qu'il bouge, il y a un tremblement de terre quelque part, genre sur la terre, vraiment. C'est passé près. Trop près. Faut que je sorte d'ici. Cache. Je suis pas là, grand con. Oh la vache. Il faut que je me tire d'ici. Il a un beau cul, quand même. Hein. Fini de jouer.
Ah. Là-haut, je serais énervé. Ah. Regarde, ici aussi. Ils sont méchants, ces cartons. Ils sont méchants. Va les voir, va les voir. Voilà, c'est bien. Yeah, 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 yeah. Oh, j'ai cru qu'il allait foncer dans ma gueule. Ah ben, gueule pas trop non plus. Ah. C'est comme cache-cache. Je déteste cache-cache. Il parle vraiment comme Hulk. Âge mental, 5 piges. Il nous aurait écrabouillé tel un moustique. Pas possible. Heureusement, je prévenir, mec, je les ai. On a les multivitamines. Ça devrait aider les gens. Laissez-moi ! Donne ton portefeuille ! Au secours ! Alors, Roya. Hey, laissez-le tranquille ! Alors, ça, ça aide, hein. Grosse erreur, gamin. C'est trop cliché, wesh. Oh, on bouscule pas les gens comme ça. Quoi? On va t'apprendre une bonne comme leçon. Ça. Ok. C'est qui mordrait? Les hanches droites. Allez, Roya, mets la patate. Est-ce que t'es prêt pour la Qu'est-ce patate? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans 2 secondes, il racontera plus grand chose. Allez! Tu l'as senti, celle-là? Peut-être qu'on aurait terrassé Rhino, hein. T'en veux aussi? Non, non, c'est bon. C'est bon, frère, j'en ai assez vu. T'en veux aussi? Faut que je travaille mes répliques de baston. Bah, c'est comme Spooderman, hein. Il a pas les meilleures répliques, mais on l'apprécie quand même. Miles! Hé, hey, j'arrivais pas à te joindre. Toi bien? Hé, hey, au fait, vous énervez pas, mais il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Hé là 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 là, sacré Miles, quand même. Tu fais de la merde. C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité du Fist. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre en refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Magnifique. Yuri, j'ai compris le plan de Rhino. Il s'en prend au centre d'aide d'Oscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez. Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. Ça fait plaisir. Arrêtez! Mais eux, ça va pas, hein. MJ, quoi de neuf? Ça va? Oui, ça va. Je consulte les rapports d'Oscorp. Et ça n'a aucun rapport, mais tu te souviens de la fois où on est allé à Staten Island avec Harry? Pour trouver la meilleure pizza de la ville? Ouais, un péril de 10 heures pour une croûte brûlée, du fromage industriel mal cuit. Comment oublier? Ces vieux fichiers de Scorp m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a rappelé à quel point tout était plus simple à l'époque. Pas de boulot, pas de méchant. Tu te souviens, on pouvait passer la journée à commander des pizzas. On n'avait pas de problème. Maintenant, j'ai l'impression que si on s'accorde une pièce, le monde entier va s'écrouler. Ouais, pas facile la vie d'adulte. Mais bon, on se donne du mal pour que d'autres gosses puissent s'aventurer à Staten Island à leur tour. C'est un peu le cercle de la vie. Le cercle de la pizza. Ouais, t'as raison. J'aime bien cette façon de voir les choses. Merci. Le cercle de la pizza. C'est toujours éclaté, le cercle de la pizza. Qu'est-ce qu'il raconte? Il va les accrabouiller. Ah! Ça, j'aime bien! C'est pas bien de s'en prendre au plus petit, Rhino! Tout le monde est plus petit que moi, Hank. Gros problème, grosse solution! Rhino, tu joues l'équipe maintenant! Le foyer solitaire! Aïe, aïe, aïe! La fin et les moyens, Hank! Tout se résume à ça! Vas-y, balance! Et c'est quoi la fin de ces moyens-là, au juste? La liberté, la vraie. Ah, faut que je lui fasse tomber dans la gueule. Vas-y, 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 vas-y. Hop là! Magnifique. Ça va taper, taper, taper. Ça a servi à rien. Ça met Rhino, on l'éclate là, et on l'éclate même au début de du Miles Morales. Il va prendre cher, hein.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un ralenti bizarre. Tu vas rien faire. À part juste encaisser, frérot. Ça va me manquer de plus pouvoir me moquer de toi. Très rigolo, Malenki. Je suis presque désolé d'écraser ta petite tête. Tu vas rien écraser du tout, le Rey. Attention, Rhino, des chasseurs. Tu n'es pas Gaul. Hop là. Nice. Ah ok, en fait ça fait un ralenti juste avant que tu fasses tomber okay, le truc sur sa gueule. Finissons-en. Ah, je me disais bien qu'il y aurait Scorpion aussi. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Voilà. Ouais, d'accord, c'est un gosse le Rey. Scorpion, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait si en plus tu insultes ton pote là. Tu l'aurais supplié d'arrêter. Attends quoi, je te balance mes petites toiles. Hop là, là ça va être pour de ça. Est-ce qu'il est aussi difficile à avoir? Oh! Ah bah là quand même. Il est difficile à avoir dans nos rêves et dans la réalité ou c'est comment? Parce qu'en vrai il était très facile dans les rêves. Avec Octavius, vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des 6? Ça c'est exactement ça, c'est les Six Sinisters. Et accrocher sa tête au mur. Pas gueule. Tu vas le regretter. Très bientôt. Allez. Oh. Mais c'était magnifique. C'était l'un des plus beaux moves que j'ai fait durant ce let's play. Allez. Il va venir. Bouge mon Rey. Oh mon dieu. On s'est fait éclater ou pas? Même pas, il est juste passé. D'accord. Bah on a éclaté Scorpio hein. Rhino est sonné. C'est le moment de frapper. On t'a pas sonné. Bah si justement on t'a sonné. On pourrait s'arrêter maintenant. Je le dirai à personne. Yop là. Il vient par là. Yop là. En vrai il est hnin. Il est très gentil Rhino. Tu sais ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué? Que j'ai échoué? Eh ouais, espèce de demeuré. Maintenant c'est eux, ils vont se battre. Ah bah super. Des gamins dans une cour de récré les Rey. Voilà. Vous allez passer un peu de temps ensemble. Vous finirez peut-être par vous entendre. Je crois qu'ils sont en train de se faire beaucoup de mal les Rey. Yuri, et deux quatre. Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Salut Peter. J'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. C'est l'une des missions avec MJ que j'apprécie le plus, ou plutôt que j'aime pas le moins, si t'as capté. Avec celle dans la gare, tu vois, avec Spider-Man en featuring, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est parce qu'on verra un très très joli penthouse avec une très belle vue. C'est aussi pour ça que j'apprécie cette mission-là. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok. L'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Il y a juste l'accueil, j'apprécie énormément. Excusez-moi, il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements le temps que Sable International effectue une inspection. Bien reçu. Il pourra pas s'en remettre. Aux prochaines élections, il va se faire laminer. Peut-être. Osborne a déjà survécu à pire. C'est un vrai cafard. Un cafard prétentieux avec un costard hors de prix. Ne dis pas ça devant sa Gestapo, tu vas te faire enfermer. Qu'ils essaient pour voir. T'as une grande gueule, meuf. On apprécie énormément. Fais gaffe à toi, quand même. Le maire Osborne habite vraiment ici? Je le vois jamais. Ouais.
C'est l'ascenseur qui mène directement à son appart. D'ailleurs, il doit y être en ce moment. Ah putain, il doit être au 150e étage. Voilà le poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Bien vu, ou bien tu pourrais nager dans l'eau. J'adore. Waouh! J'apprécie énormément. Ah, plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors! On dirait qu'il parle du Covid, les rayons. Pourquoi Osborne n'est pas en bas? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Fichez le camp tout de suite! On est aussi important qu'Osborne. C'est pas juste. Laissez-nous remonter! Si Osborne n'attend pas en bas, alors nous non plus! Effectivement, le peuple n'est pas content, Roya! On va leur monter le crâne contre eux! J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Ça devrait suffire. Ah, bon sang! Jerry, amène-toi! On a un problème! Entrée interdite! Poste de sécurité ouvert. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Vous avez déjà dit ça il y a une heure. Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle. Bisous les Hey. C'était assez simple. Salut toi. Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Petit pistolet taser pour électrocuter ta sœur. On va le tester sur quelqu'un quoi. Ah non, ça c'est pour les distraire. L'immeuble a coûté des millions, mais purée, niveau internet, on se croirait en 1995. N'importe quoi. Bien vu. Je l'aime bien, ce machin. Ah si, j'aime bien en vérité. Il faudrait qu'il se retourne. Putain. À chaque fois qu'il y a une séquence infiltration, il faut qu'on se fasse choper au moins une fois les rails. Sinon, c'est pas une bonne séquence. Il faudrait qu'il se retourne. On va voir là-bas. Voilà. Immobilisé ! C'est sûr que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mm-hmm. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ah, c'est la meuf ! De Sable. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est bon. Oh. Norman et Sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. Attention. On y va discretos. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Magnifique. Genre. C'est des boutons inutiles. Y a pas besoin de carte ou quoi que ce soit. Un chien de garde, la meuf. C'est n'importe quoi, wesh. Et genre, tu fais juste flèche du haut, c'est bon, tu montes. C'est n'importe quoi. Non, mais en plus, ça se voyait, il y avait un truc de carte. T'es mort. Comment t'as fait pour monter? Non, mais regarde, regarde. On est d'accord? Il y a un lecteur de carte. On n'a pas utilisé de carte, on a fait le bouton, et subhanallah, on se retrouve. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Enclenche sa mère! Gardez votre calme. Le père et le fils Osborne. Harry! Ah, la grande classe. C'est quoi cette chose? Alors. Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Magnifique. On dirait un. Je crois qu'on aura trouvé le masque du bouffon vert, c'est ça ou pas? Voilà, je sais pas. Angie, sa grue d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approches pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Ouais. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan? Parce qu'il peut se le permettre. Regardez-moi cette vue! Non, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Et ça a l'air ultra bien insonorisé. Nom de Dieu, ce genre d'appart, comment ça doit coûter cher? Bon de travail pour un clavier numérique.
Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Bien vu, bien vu. Il y a rien compris. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. C'est le prototype de combat de ce plan. Oh, je pouvais mettre le masque. Waouh, wow, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Ah, je me demande ce qu'il y a derrière. Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Pas rentrer de code Norman ici. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Mais est-ce que c'était en juillet ou en août? Bonne Harry question. Tenait un journal. Peut-être qu'il contient la date. Donc c'était par rapport à ça. Mais il faut fouiller encore dans le penthouse. Mais il y aura de la compagnie. Putain, mais c'est quoi cette terrasse, wesh? Belle vue pour admirer la ville en feu, quoi. Salut, papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant... Avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes ce jour J. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Je t'aime. Merci, papa. Pour tout ça. D'accord. Je t'aime. Waouh. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là. Je vais voir dans sa chambre. Surtout que le grand voyage, c'est pas du tout ce que vous pouvez croire. Une piscine, évidemment. New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe. Pas de la bronzette et des cocktails. Norman et Otto. Waouh. C'est Ils beau. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié? L'argent. La cupidité. La jalousie. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. Mais t'es mal à la taille de la porte. Je suis choqué. Pourtant, MJ, je crois pas qu'elle est vraiment petite. C'est juste que tout est grand ici, sa mère. Abusé. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry. De tout ce bonheur. Enfin, comparé à moi et mon père. Mais tout a changé quand Emily est tombée malade. Emily? C'est qui la Emily? Vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans cet endroit. C'est ça la différence. T'as beau vivre dans un penthouse à 48 millions, 48 milliards, je sais pas. Mais s'il n'y a point d'amour, il n'y a point de plaisir. Du coup, Emily, je crois que c'est la mère, en fait. Je crois que c'est ça. Et tombée malade, peut-être. Après, elle est morte. Et du coup, je pense qu'il arrive pareil à Harry. Et du coup, le grand voyage, c'est à mon avis dans le but de guérir Harry. Mais finalement, il va utiliser des bails très bizarres. Très bizarres. Le père de Harry pour essayer de le guérir. Oh, mais c'est nous, ça. On était tellement insouciants. La belle époque. C'est bien amené quand même, cette histoire. Moi, j'apprécie bien. C'est très bien amené, tu vois, genre comment Harry va devenir, du coup, je suppose, le prochain Venom. Moi, j'aime bien. Alors, je trouve pas que c'est pas forcément un spoil, hey. Parce que ou bien Harry devenait le bouffon vert, ou bien Venom, littéralement. Et en fait, Norman, je sais pas si effectivement c'est le bouffon vert ou... En tout cas, il y a bien un casque. Le casque qu'on a trouvé, là, c'est bon bizarre. Anniversaire, ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier. J'ai mis Harry... Je l'ai envoyé... se faire soigner. On va le sauver. Je te le promets. On n'a pas développé le GR-27 assez vite. Pour te sauver, toi. Mais je ne laisserai pas tomber Harry. Je touche à rien dans sa chambre. Pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Je sais que tu en prendras soin. Minute. Norman a envoyé Harry se faire soigner?
Mm-hmm. Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as caché, Harry ? Je sais pas. Sincèrement, j'apprécie comment les personnages et même leurs histoires, en tout cas dans cette timeline de Insomniac, ils sont attachants, tu vois. Genre, limite, là, Norman, on a de la peine pour lui. Tu vois qu'il essaye de sauver son fils. Le diagnostic sa femme, elle est en phase terminale. Ouais. Je savais que la mère d'Harry était malade, mais j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? Franchement, je sais pas si elle est morte ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est morte, Emily. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le cadre. Mmh. Une petite clé ? Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Mmh. Peut-être qu'elle est dans le coma, la daronne. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est un peu bizarre. Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Donc là, c'est limite un message qu'il est en train de faire, Harry, pour MJ et Peter. Au cas où, si jamais, je pense, il mourrait, je crois. Savez-vous deux, je suis désolé, vraiment désolé si vous lisez ceci. Purée, je galère même dans une lettre imaginaire. C'est pas facile de m'adresser à vous, honnêtement. Alors voilà, je suis malade, genre vraiment malade. Les docteurs pensent que c'est le même truc qu'a eu ma mère. Neurodégénérescence, vitesse grand V. Je le sais depuis un moment, mais je pensais pouvoir gérer. Je vous ai pas mis au courant parce que je vous ai pas mis au courant. Voilà. J'avais peur de votre réaction et j'aurais détesté vous faire subir ce que j'ai vécu avec ma mère. La voir souffrir, savoir que je ne pouvais rien faire, la regarder mourir a été pire que sa mort. Ah ouais, donc elle est vraiment morte, ok. Ça a salement empiré ces derniers temps, toutes ces fois où j'étais crevé après une soirée, ou grave pris par le boulot, ni soirée ni boulot, juste la maladie, starfoulda. Ce voyage en Europe, c'est une façade, je vais suivre un traitement expérimental à long terme. Mon père bosse dessus depuis une éternité. Il promet que ça va marcher, il déteste ce surnom dont les ingénieurs l'ont affublé le soufre du diable. Ça donne un aspect effrayant à un remède miracle selon lui, mais c'est peut-être ça qu'il me faut. Le souffle du diable. Un peu de mal pour beaucoup de bien. C'est plutôt beaucoup de mal pour peu de bien, je crois. Ok, voilà, mon père, j'y vais. Oulala, on a de la compagnie. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Là, je suis à fond dedans. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. I will take the air. Yeah, I take all the oxygen Peter, in the room. Le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre? Yeah. Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Alors, deux secondes, je peux pas t'électrocuter? Magnifique, j'adore. Zama, l'autre, il a rien vu à travers la vitre. Peut-être que la vitre est super bien insonorisée et surtout teintée. Vitre teintée. Bendo, bendo, te retourne pas. Alors, il y a un mec ici, non? Avance un peu là. Oulala, là, il se passe des choses là. Va voir la barre. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Moi aussi, j'ai entendu un petit truc. J'ai entendu un petit bail. Ok, 18 juillet. Bingo. Let's go. Wow. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Je trouve ça trop stylé. Il doit y avoir quelque chose d'utile dans ce... C'est quoi ces machins? Incroyable. Des prototypes de grenades? Ok. C'est bien ça. Norman et le bouffon vert. Donc Spider-Man 2, il va avoir des dingueries. Il y aura Venom, comme on a vu dans le trailer. Il y aura bouffon vert. Il y aura sûrement même le lézard. Parce que dans la cinématique à la fin de ce Spider-Man là, on voit effectivement une cinématique. On voit... comment il s'appelle le docteur là? Docteur Connors, je crois. Ou... bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le lézard. Voilà. Donc c'est cool, ça promet du lourd. Norman est dans un gros délire de savant fou. Mais en fait, Harry, il est juste là. Il est juste derrière, en fait. Et ça, je crois que c'est... Mais c'est quoi ça? Qu'on voit en face. Mais ouais, il est juste là, normalement. Sauf que là, on n'est pas censé le savoir.
Mais à la fin du jeu, normalement, la cinématique, elle se passe là. Et t'as le frérot Harry qui est en train de baigner juste derrière. Putain, si MJ, elle voyait ça, elle flipperait sa mère. Je pense qu'elle voudrait se tailler immédiatement. Wow. Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait le Upper West Side. Ah, c'est trop stylé. Moi, j'aime beaucoup là, cette partie du jeu, je t'avoue, parce que ça nous rapproche du Spider-Man 2 et ça fait plaisir. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR-27. Le projet est en train de nous échapper d'un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps. Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça, j'en reviens pas. Eh ouais, ma gueule. Des araignées. Ouh. Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi? Et les noms sur les cages. Bio-électrokinésie? Camouflage optique? Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste? Trop cool. Bah, c'est les pouvoirs de Miles. Le camouflage, etc., tu vois. D'un gris. Non, franchement, c'est pour ça que je vous dis, c'est trop prenant cette partie du jeu, parce que ça nous baigne dans la suite, en fait, tout simplement. Du coup... On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Trop malsain. Enfin, il y a une logique. Michaels est en charge du souffle du diable. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Ils sont très présents sur le terre-terre. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. Bien vu. Non, c'est juste une patrouille de sable. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du docteur Michaels. Non, c'est juste une patrouille de sable. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le docteur Michaels. Moi j'étais en train de sélectionner bêtement les trucs rouges. Donc faut un bail où ça se croise. Bah je dirais plutôt ça. Le docteur Michael s'est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais personne ne monte la garde, donc c'est pas le bon. Patrouille Alpha. Bravo, bravo, bravo. C'est celui-là. GR-27, c'est le nom de code du souffle du diable, Eureka. La 10e est cathédrale. Ce serait pas... Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR-27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est ? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Quoi? Arrêtez-toi. Il va exploser. Ah ouais! Donc Martin Lee, c'est vraiment le fruit d'une expérience chelou. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Mais c'est pour ça qu'il s'est taillé, Otto. Il a dit que c'était des expériences immorales. Très bizarre. Non! Ah bah bravo. Qui est là? Oh non. Elle fouille son nez partout, il y en a marre. Est-ce que tu m'as reniflé ou pas? Oh putain de merde. Ça
Ça va, elle a l'air gentille, l'araignée, voilà. On a une intrusion, alerte maximum. On était à une piqûre près d'avoir une MG Spider-Man, là, quand même. Ça aurait été pas mal. Mais moi, j'en ai rien à foutre que je me fasse choper ou buter. Je vire cette araignée. Qu'elle reste pas. J'ai trouvé l'adresse du labo et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Je suis pas loin, à 2 avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Bah, tu peux venir dès maintenant, Croyant. Hein. T'es pas obligé d'attendre davantage. Hein. C'est largement suffisant. Attends, 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Dis pas qu'il y en a un mec juste là. Mais ouais, je suis en amarre. Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a vraiment beaucoup. Dis pas qu'il y en a un dans le dressing, là. Ah non, ça va. Moi, je me serais dit, qu'est-ce qu'il fout dans le dressing? Attends, 2 secondes. Ne va pas dans le jacuzzi, quand même! Ça, c'est dangereux, les reilles, ce qu'on fait. Mais va voir là-bas, ma gueule. Oh, putain. Et je me suis sauvé, là, je te jure, c'est abusé. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Et hop là! Chef, on l'a trouvé. Ça a fait des bruits. Peter, t'es là? Je suis à l'angle de l'ex. MJ, ça va? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Oh non. Le chien de garde. Peter, je préfère mourir. Attends, fais pas ça. C'est trop tard. Vas-y. Oh putain, c'est vraiment une folle. C'est vraiment une folle. Mais tu t'évanouis en l'air, en fait. T'es vraiment cinglé. Mais j'adore ça. Oh là là. Oh. C'est romantique. C'est con. C'est vraiment con. Tu peux pas faire confiance à ce point à quelqu'un. Il suffit juste qu'elle soit en sueur, il glisse. En la tenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une connerie dans le genre. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade. Norman, Ellie, et Docteur Octavius? Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves le remède. Merci. Partenaire. Elle est contente, hein. Il m'a dit partenaire. Ouh là là. Allez, baiso. Oh putain, l'araignée. Elle est trop mignonne. Oh là, je la caresserais bien, wesh. Elle est gentille. Et après, elle te pique et on devient Spider-Man. Je vous ferai des vlogs Spider-Man. Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties, juste pour Norman. Bon, Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède? Dieu merci. Vous pensez qu'on peut diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Ok, on arrive. Osborne. Crossburne. Putain, mais donc pas vraiment d'histoire de démon ou quoi, Starfall-là. Il a juste été victime d'une expérience bizarre. C'est bizarre, il y avait le père et la mère dans la vidéo en fait de Martin Lee, ils étaient là. Donc c'est bizarre un peu, non? Mais j'ai pas bien compris toute l'histoire hier. Bon, Norman, je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Lee dans le labo. Il est dans la merde. Je vais mettre ces snipers KO. Bien vu. Hop là. Arrête un peu de m'éviter, toi! Ok! Combat aérien! Ça voltige! Hop! Vous êtes finis!
Ok. Et sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Mais pourquoi c'est si lourd? Mais dégage-toi. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une sale bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, vous êtes bête. Je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Alors, tu réfléchis dans ta petite tête ou pas là? C'est bon? C'est validé ou pas? Passé. Pourquoi ils l'ont rendu aussi chiante, les mecs? Je comprends pas! Ça veut dire qu'on est cool? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Lee est hors de contrôle. Insupportable. Oh. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Vas-y, parle-leur, c'est bien. Ça oh, light but. Dommage. Malheureusement, okay. Je sais qu'elle meurt pas là. Fini de courir. C'est duré. C'est énervé ce truc. Ça reste comme ça quoi. Ah ouais. D'accord. C'est de la folie ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Fist. Mm-hmm. Pas le Martin Lee complètement taré. Alors. Aïe, ça m'a fait mal. Let's go. Va-t'en, Steven. Ça concerne que moi et Osborn. Je veux parler au gentil Lee, pas le méchant Lee. Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident? Tu es aussi insensible qu'Osborn. Bah, c'était un peu un accident, non? C'est pas le cas? Mes parents sont morts à cause de moi! À cause de ce que m'a fait Osborn! Votre passé ne vous définit pas! Ne laissez pas vous contrôler! Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers! Pour faire honneur à leur mémoire. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Il y a encore du bon en toi, Roya. Ok, donc effectivement, c'était une photo de, de ses parents. C'était pas une photo de sa femme et de lui. Ce qu'il y avait sur son bureau. Effectively. Waouh. Toute cette force, c'est la douleur, en apesanteur, et la colère qui alimente son pouvoir. Voilà, c'est ça, ses parents. Ça nous a aspiré. Ah, ah, ah. Et ça nous fait un flashback. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. C'est le seul échantillon. Non, non. Ah ouais, quand même. Martin. Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. Je voulais... J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Il a imbibé de son pouvoir. Vous les exploitez. Oh. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez. Allez, Roya, calme-toi. Eh ben non, je suis énervé, en fait. Ah! Parce que je suis un méchant méchant, moi, au final. Pas un méchant gentil. Ok, bon, on va te faire des câlins, Roya. Peut-être ça va te calmer. Ah, il s'en fout de nos toits là. Osborn mérite d'être traduit en justice. Et pour ça, je vais arrêter tout de suite. Je ne m'arrêterai jamais. Ah, sont stylés les moves. J'aime bien, croyant. Hop. Ok.
Ah, il est toujours très énervé, lui. Hein. Toujours très énervé. Oh là, oh là là là. Là, c'est bon. Il redevient lui-même. Je te fais un câlin, Roya. Non, 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 non. Oh, pas mal. Oh là. Je sais que t'es hnine au fond, Roya. Arrête de nier. C'est bon. En fait, il s'épuise. Du coup, il redevient Martin. Tu seras complice des crimes d'Osborne. Ouais, j'ai rien à voir à lui quand même. Tu confonds, frérot. J'arrive. Mince. Battez-vous, Martin. Il est trop gentil. Vous en sortir. Non. Osborne doit sauver. Ah! Oh, Starf, donc il y a vraiment un démon en fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, wesh? Starf, là. N'importe quoi! Oh, il a re-ramené ses disciples. Ses méchants disciples! Je sais que vous pouvez battre le démon maintenant! Battre le démon? Méchant! Le démon! Non, arrête de raconter de la merde! Je t'ai dit, tu es Hnin! C'est juste que tu veux faire le mec un peu, tu vois. Tu as un bon cœur, un bon fond. Aïe, 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 aïe. J'aime pas quand tu fais ça, frère. Ah oui, ça en fout carrément de mes attaques ou je sais pas quoi. C'est un gros démon. Ouah, on va se prendre une patate. Oh là 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 là, c'est bien fait. Hein. Moi j'aime bien. Franchement. Très très cool. C'est un des combats les plus stylés dans le jeu. Avec le choker aussi, c'était cool, tu vois, mais... toujours dans une logique circulaire, si vous voyez ce que je veux dire. On lui tourne autour, et c'est reparti. C'est bon? Ok. Oh la sale gueule. On a transpercé son démon. On l'a pénétré, je dirais même. Je suis pas content. Ah, il m'a fait mal. Ah ouais, donc c'était pas dans son imaginaire, c'était vraiment en train de se passer. Osborne. Incroyable. Il doit payer. Je sais. Belle Rolex. Mais pas de cette façon, Martin. C'est pas bien, Martin. T'as fait beaucoup de bêtises. Maintenant, il y a tout qui va se détruire. T'es content? Oh putain! Incapable! Wow, tu te prends une droite. Yeah. Non! Avec tes tentacules venimeuses, on dirait. Dégueulasse. Octavius! T'es chiant, frérot! Il fait de ses bruits. Ah, ah, ah! Oh, c'est horrible. Ah, oh, c'est horrible. Oh mon dieu. Mais il nous a brisé encore plus, wesh. C'est tout ce qui compte pour toi. Tu t'en fous de l'être humain. Tu veux juste arriver à tes fins. Otto ? Il me dégoûte. Même Norman, il est choqué. C'est devenu un monstre. Et l'autre, il est fier. Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie? Oh, trop bien fait le débris. Oh non, Théma, il y a du sang, wesh.
Oh non, Spider-Man. Oui, Otto. Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au Fist. Ah, le bordel. Il est dans un sale état. J'imagine, tu vois Spider-Man débarquer. Je veux parler au médecin en chef. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants. J'ai entendu « Don't worry, Spidey, don't worry about it ». Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Genre, elle se fait du souci pour nous maintenant. T'étais juste un obstacle pour nous et maintenant? Oh, oh non. Mon Dieu. Spider-Man, don't die on me, man. Please. Allah yister. Est-ce qu'il va s'en sortir? Telle est la question. Peut-être qu'il va mourir. Il est mort, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ça va. Ah. Mais il doit se reposer. D'accord, bah, dommage. Hé, vas-y doucement. Où est May? Dans les vapes. Putain, je crois qu'effectivement, là, elle va pas très bien, non? Oh non, putain, non. Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Tfou! Putain de merde. Où est-ce que tu vas? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Pourquoi ils ont fait ça avec May? Ça me fait chier. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Ah bah merci. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi? Son ami Peter? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai? Alors il doit connaître leurs points faibles. Pas bête. Pour une fois que tu dis un truc qui va nous aider, toi. Avec la force de l'intelligence. Vas-y. On va y arriver. Merci, partenaire. Allez. On va aller piquer Miles. Let's go. De ce pas. Mais je te jure, elle est trop mignonne. On dirait vraiment, elle s'est dit, allez, let's go. Allez, il est où Miles? Je suis en train de chercher un peu. Je suis en train de tisser ma petite toile à partir de mes fesses. Voyons voir. Pas ça non plus. Peut-être celle-là. Non. Aïe! Bingo! Elle a réussi les reilles. C'est grâce à elle qu'on va avoir lieu à Miles. Morales Spider-Man avec des pouvoirs magnifiques que j'adore. Là, c'est un mal pour un bien, effectivement. Ça lui fait mal 2 secondes, mais après, Roya, ce qu'il va faire avec ça, c'est incroyable. Ça me fait plaisir. MJ a raison. J'ai conçu l'interface neurale. Je dois donc pouvoir la détruire. Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo. Bien vu. Bonjour. Oula, je dois changer mon numéro. Je suis New York. Les récents événements m'ont donné à penser. Ok. Pouvoir sauver Osborne malgré sa haine, ça m'a touché. Je dois rentrer chez moi. Raconte pas ta vie. À la voie que j'ai choisi de suivre. Rentre chez toi, rentre enfant. Je crois que vous allez me manquer, vous et votre troupe de la mort. Non, elle va pas manquer. La troupe de la mort reste. Contrairement à moi, il ne se pose pas de questions. Et Osborne continue à payer. Désolé. Ça a failli être une bonne nouvelle. Je sais. Vous et votre trait d'esprit me manquerez, Spider-Man. J'espère qu'on se reverra. Cette femme est vraiment bizarre. Très bizarre. Ici le central de sable. La chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. On a fait un miracle, docteur. Réfléchis, Peter. Mais maintenant, je dois le détruire. Avec une de mes petites créations.
Bien vu. Un costume anti-octopus. Contre les gens qui ont plusieurs tentacules. Effectivement. Donné, on va pas se laisser faire. J'aime beaucoup ce costume. J'avais envie de le mettre pour un autre épisode, mais au final, je me suis dit si on allait les mettre de toute manière, bah c'est bien. Autant le mettre en temps voulu. Tu me sers trop, Roy, arrête! Une fois de plus, ça me fait mal! L'image du maire Osborn en direct, retenu en otage sur le toit de la tour Oscorp. Le maire Grosburn! J'ai toujours kiffé cette manière de se déplacer à Octopus. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question! J'ai trop de fierté. Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Aïe. Dis-leur ce que tu as fait. Jamais. Toute ta vie repose sur des mensonges. Des mensonges. Mais ces tentacules, elles sont longues. Ouais, je suis à 20 mètres là. Tu as volé ma société. Mes idées. Dis-leur la vérité. Il est 18h, dis-leur. Dis-leur. La vérité. J'aurais trop fait une blague comme ça. D'accord. La vérité. C'est que t'es un connard. C'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. Ah oui, il a pas de cœur. Hein. Ah, c'est une longue chute, ça. De rien. Thank me later, man. J'ai pas le temps. Est-ce qu'il nous a souri en mode... Merci, Spider-Man. Otto, votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Allez, frérot. Sois gentil. Tu te trompes, adversaire. Mais c'est ton choix. Tu as fait un choix. On a j'ai pas trompé. De temps à perdre, s'il vous plaît. Je rendrai l'antisérum quand Osborn aura payé pour ses crimes. Oh là là, oh oh oh. Et oh. Je sens qu'il va nous faire chier, lui. Hein. Je sens qu'il va nous faire beaucoup chier. Il finit toujours par rebondir. Je veux qu'il perde tout ce qu'il a. C'est une obsession, frère. Les obsessions, ça ne mène jamais à un endroit plein de bonheur. Attends, frère, il y a deux secondes. Wow. Trop stylé. C'est magnifique. Il me semble qu'on va lui arracher tentacule par tentacule. Bah, Roya, c'est... Figure-toi que si. J'ai décidé de me mettre là. Ah, je pensais qu'il me laisserait tranquille. Tu m'as fait perdre mon temps. Forme le criminel, pas moi. Attends, oh. Fini de jouer. Ah, ça je m'en souviens. Ouais, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très stylé, mais... Mais qu'est-ce qu'il nous balance, wesh? Il y a 4000 débris, là. Des gens vont mourir. Il leur faut le sérum. J'ai entendu des chauves vont mourir. Je soignerai la ville une fois que j'aurai déraillé Osborn. Ok. Toujours Osborn, faut y a chance de disque. Y'en a marre.
Au bout d'un moment, même lui, il s'en fout de ta gueule, regarde. Tu te sens bête, hein? Mais je suis vraiment curieux de savoir, est-ce qu'il sait qu'on est Peter, ensuite, vraiment? On fera ce que vous voudrez. Je crois qu'on le saura par la suite. Maintenant, dégage de mon chemin avant que je ne te fasse vraiment mal. Ah, Zerma, depuis le départ, tu fais quoi? Ça nous fait très mal, Roya, arrête tes histoires. Je t'entoile, Roya, je t'entoile. Ah, aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Bon, c'est quand qu'on lui enlève le tentacule, là? Oh! Oh! Lance-toile! Et il s'est remis le bail! Oh putain. On avait arrivé à lui enlever la puce là, ou la. L'interface neurale. Je suis tellement déçu. Parker. C'est maintenant que tu sais, frère? T'es bête vous un peu. Vous le saviez? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Ah, tu savais, d'accord. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez? Je te laisserai pas gagner. Oh, c'est tu vois bien que. C'est important pour moi. Ça change rien pour lui, que ce soit Peter ou. Plus pour moi. Ou même sa mère. Je crois encore qu'il. Plus. Il s'en fout. Oh. Allez, ciao, ciao! Oh non, 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 non. Il me semble que ça continue là le combat. Allez, Peter! Oh, c'est trop stylé. Vous ne voyez donc pas tout le mal que vous faites? Tu ne comprendras jamais! Tu n'as pas souffert comme moi! Tu nous as beaucoup fait souffrir, Roya. C'est bien assez, non? Tu devrais être dans mon camp. On peut s'approcher un peu? D'accord, je pense qu'on peut s'approcher. Ah, ah, ah. Coup de poing, coup de pied. Voilà. Oh là 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 là. Oh, c'est trop stylé. On dirait que ça va sortir de l'écran, frérot. Trop classe. Oh là 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 là. Non, mais c'est incroyable, cette séquence. Hein. C'est incroyable. Oh. Surtout, c'est cool parce qu'il n'y a aucun élément dans le... Tu vois, il n'y a pas de barre d'énergie, il n'y a rien du tout. C'est que nous et lui. Ah, c'est beau. Yeeha, j'ai entendu. Yeeha. Pensez à l'homme que vous étiez. Cet homme n'est plus. Tu ne peux pas me sauver, Peter. Dans ce cas... Vous devrez vous sauver tout seul. Mais ça veut pas en finir, merde. Oh. Soyez raisonnable. Allez. Oh, magnifique. On a glissé. Allez. Mais maintenant, t'es devenu une merde, frérot. À combien de fois tu vas aller faire des combos, frérot? C'est bon. Ça suffit pas. On voit tous les circuits à l'intérieur des tentacules. Allez, 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 abandonne. Oula, j'ai mal. Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué. Juste meurtri. On est juste blessé, Roya. On est... On est déçu. Oh, le connard. Putain, mais ce auto là, il n'a pas de sentiment. Voici ta dernière leçon, Peter. Oh, quel bâtard. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord. Ciao, vieux con. L'antisérum. Exactement. Soucie-toi de l'antisérum, pas du mec. On s'en bat les couilles. Même si j'aimerais pas le voir mourir, mais au bout d'un moment, faut pas abuser. Il n'est plus lui-même. Il n'est pas conscient du mal qu'il fait.
Maintenant, tu vas retrouver tes esprits, subhanallah. Peter, je suis désolé. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? T'es pas bien dans ta tête, mec. Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination. C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Skin, ça se voit être trop blessé, Peter. Je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Je te fais plus confiance, frérot. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Ta mère. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras ! Ah, je serai piégé dans ce corps inutile ! Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Il te manipule, frérot, il te manipule. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je pense qu'il je a... te souviens. Il a vraiment changé de manière définitive. Irréversible. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! Et je te jure, je suis sûr, même si on aurait été sympa avec lui, frérot, il nous aurait planté une tentacule dans le cœur ou je sais pas quoi, jusqu'au dernier moment. Il a besoin d'aide, le frérot. Oh non, c'est bon, non, j'en ai marre, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer cette partie ? Je veux pas assister à ça ! Il est viable, mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il n'en resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Donc là, il a le choix ou bien entre sauver la tante. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir mon neveu. Tu savais ? Depuis longtemps déjà. Je voulais pas que tu sois inquiète. J'ai pas encore envie de pleurer ! Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Ça me pique les yeux. Je sais pas quoi faire. Mes yeux, ils piquent. Si, tu le sais. Thank you.
J'en ai marre. Frérot, même 3 piges plus tard, ça me tue cette scène, wesh. Franchement, ça me casse les couilles. Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça, vraiment ? Au moins ça a soigné plein d'autres gens, tu vois, mais... Skina, mais... Elle est partie. Bon, c'est à Miles de nous consoler à son tour. Allez, va en prison. Monsieur Tentacule. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Alors ? Salut, Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Hey, bravo. Nice. Je savais que tu y arriverais. Et toi alors, t'as trouvé un job ? Ah, non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Hmm ? Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... tu es un scientifique et tu es doué. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé a créé un monstre à 8 pattes qui a failli détruire la ville, alors... Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair. Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper ? Ah, non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah. Sinon, tu peux aussi dormir chez moi. Ouh là là. Enfin, si tu veux. Non, enfin je veux dire, oui, parce que je dis pas que j'en ai pas envie, hein. En fait je trouverais même ça super, mais... Mais quoi ? Tu veux bien ? Bah ouais, t'as le proposé, Khoya ! J'en ai toujours eu envie. Ouh. Moi aussi. Ouh. Oh là là ! Ouh, l'Ikhey ! Là, c'est chaud ça, mère, hein. Oh non, c'est déjà fini, putain. Je sais pas, moi je pensais qu'il y aurait un autre truc, mais non. Ça m'a fait extrêmement plaisir de refaire ce let's play, Ray. Et j'ai tellement hâte pour la suite. Franchement, j'ai plus apprécié la fin du jeu que, je sais pas, le milieu du jeu. En vrai, en rejouant au jeu, tu te rends compte qu'il y a des moments, je sais pas, ça aurait pu être un peu mieux. Mais quand tu découvres le jeu, quand tu le fais pour la première fois, c'est insane. Mais encore une fois, les missions avec MJ, des fois ça ralentissait un peu le rythme, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais globalement, ça reste un très bon jeu, tu vois, objectivement parlant. Avec une très bonne scène d'action, c'est vraiment Hazard le top. Bah là, la preuve, ça a une bonne rejouabilité, tu vois. Quand tu fais de nouvelles parties plus, comme on a fait du coup, bah t'as les gadgets, t'as tous les costumes, tout ça. Franchement, c'est pas mal, c'est appréciable. Surtout plusieurs années plus tard, bah ils ont rajouté du coup les costumes, etc. Là, comme vous avez pu voir aujourd'hui, on a joué avec le costume de No Way Home. Ça fait plaisir, ça rajoute son petit truc, si tu vois ce que je veux dire. Et on aura fait du coup les 3 costumes. Toby, Andrew et Tom. Bon. Je suis pas expert en la matière. Mais c'est peut-être ta façon. Ah, du coup, là, ça va faire le teasing de. Que je suis trop nerveux. Ok. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça ? Ce sera très bien ici. Ok. Et toujours bien cette scène, je te jure. Peter ? Ouais ? Le début de la formation, si tu vois ce que je veux dire. Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute. En fait, il m'arrive des trucs bizarres.
Genre physiquement. Bizarre. Lui, il pense à autre chose. Oui. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer que... Eh bien, par moi, tu... Pas ça. Je crois... Dinguerie. Je crois qu'il vaut mieux que je te montre. Ouais, je vais te montrer. Non. Tu trouves pas ça bizarre? Ça déchire. Incroyable. Pas tant que ça. Oh là là. Franchement, cette petite scène là, mouah, ça fait toujours plaisir. Ah voilà, la fameuse cinématique qui présage que de mauvaises choses, j'ai envie de dire. Non, en vrai, c'est des mauvaises bonnes choses, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, littéralement, c'est là où on était avec MJ. On était si près. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un remède. Continue, Roya, c'est bien. Offre-nous une bonne suite. Je te le jure. Je t'aime, mon fils. Limite le symbiote il lui fait comme ça genre moi aussi je t'aime papa t'inquiète. Ah, effectivement il me semblait qu'on allait avoir un appel de Yuri ou quelque chose comme ça. Yuri, vous êtes de retour. Comment va votre mère? Très bien. Je me demande à nouveau de lui faire des petits enfants. Alors vous allez prendre des vacances du coup maintenant? Sûrement pas, ce n'est pas le moment. L'apocalypse n'a peut-être pas eu lieu, mais on a toute une ville à nettoyer. Entre les prisonniers de Riker en cavale, les démons et les hommes de Fisk qui tentent un retour, on a de quoi faire. Ça fait beaucoup de boulot, mais on est à la hauteur. Non, pas vous. Pour ce travail, il nous faut... l'inspecteur Speeder. Ah. Vous l'avez dit? Vous avez même fait la voix. Arrêtez, je vais le regretter. Vous m'aimez bien. Je le savais. Ça y est, je regrette. Allez, on a du pain sur la planche. Ah, j'ai hâte. L'inspecteur Speeder se voit la ville. Tout est calme, mais le chaos est tapis dans les moindres recoins, prêt à bondir. J'aurais pas dû. Aïe, aïe, aïe. Sacré inspecteur Speeder. Pour les règles, je vais peut-être faire le DLC de Black Cat. Je sais pas si je vais le faire sur la chaîne principale ou secondaire. Mais il y a moyen qu'on le fasse quand même. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, si vous pouvez au moins laisser un petit like, un truc comme ça fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, Yershundo. Peace.